All right, welcome back. You're still watching Morning Live on Channel 404 on the DSTV bouquet. All right, let's head to the Freedom Square in Cliptown in Soweto, where Nonzuzo Dlamini is covering the proceedings of Africa Day for us. Nonzuzo, very good morning to you. Yes, hello, Lebu. Well, African unity has been the name of the game here this morning. We've been talking to people who are very much involved in the running of the Gcwala Ngamasiko Festival, but we haven't really spoken to someone to give us an international perspective, and that is why we're now joined by Awacheikh Diouf, who is the head of the delegation from Senegal. Bonjour, madame. Bonjour, madame. How important is it for Senegal to be part of this event? À quelle importance revêt cet événement pour le Sénégal? Bonjour à vous tous. Je voudrais saluer tout le peuple sud-africain, remercier les autorités qui nous ont invités à ce festival, le ministère de la Culture et des Arts de ce pays, Akumba, l'association qui organise ce festival, et remercier tout le monde pour l'accueil chaleureux qu'on a reçu ici, les autorités de notre ambassade aussi qui nous ont aidés à bien nous installer. Vraiment remercier tout le monde. Maintenant, pour répondre à votre question, je crois que ce lieu est un lieu d'échange et de partage. Parce que quand nous sommes venus, nous avons déjà rencontré des athées sud-africains. Dès que nous sommes descendus de l'avion et que nous sommes venus ici, déjà nous avons commencé la collaboration. Et sans pour autant nous comprendre en ce qui concerne nos langues, l'anglais, le français, le zoulou, le wolof de chez nous, on a quand même pu tout de suite, à partir des arts, communier et de fort belle manière. Ça, c'est déjà, je crois, une manière déjà de créer un lien entre nos deux peuples. Good morning again. I'm very grateful to the people of South Africa for the warm welcome and to the organizers to have invited us to be part of this festival. And we also thank our Senegalese embassy authorities who are working day and night to ensure that we are in safe, in a safe environment. And to answer your question, without wasting too much time, when we landed, we didn't have to rest. We immediately came into a workshop where we had to start working with a South African group. Even though we could not communicate in English and them in French or in Zulu, isiZulu or in Wolof, which is our language, but we were capable of harmonizing our dancing together. And this was a platform for exchange and a platform to get experience from one another. In Senegal, just how proud are people of their cultures? Comment les Sénégalais se comportent vis-à-vis de leur culture? Oui, je crois que les Sénégalais se comportent très bien vis-à-vis de leur culture. Vous savez, la culture, c'est le format de la vie, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que la culture, c'est ce qui nous détermine. Et c'est ce qui donne un peu un sens à notre vie et ce qui donne ce qui exprime notre identité aussi. C'est pourquoi si vous n'aimez pas votre culture, vous avez des complexes et que donc vous ne pouvez pas vous exprimer face au monde. Je crois que comme l'exprime l'idée de ce festival organisé par nos amis sud-africains Gcwala Ngamasiko, nous sommes aussi nous fiers de notre culture. Et je crois que tous les Africains devraient être fiers de leur culture parce que nous avons une culture riche, nous avons une histoire, nous avons des valeurs que nous pouvons transmettre en nous ouvrant au monde également parce que nous ne devons pas rester sur nous-mêmes, mais nous devons être déjà nous-mêmes, nous enraciner, comme le disait notre premier président Léopold Sédar Senghor, porter nos valeurs et ensuite prendre tout ce que les autres nous apportent de bien. The Senegalese people is really very proud of their culture, and a people without any culture is a people without any identity.
And we are doing all our level best to be who we are through our cultural diversity. And we definitely, as this festival is named Gcwala Ngamasiko, we are really proud of our culture. We are rooted in our traditional values. This will show everybody who we are, not trying to be rootless. We need to be who we are through our culture. And this is what makes us Africans. Well, thank you so very much. That was Awacheikh Diouf, head of the delegation from Senegal, talking about their involvement in the Gcwala Ngamasiko Festival. Well, that is how we wrap up here in Clip Down. If you haven't made plans, maybe you should come down and join in the festivities. From me, Nonzo Dlamini, it's been great, and it's a goodbye.